Ok, alors bonjour à toi, reçois pour le favor, jeune beatmaker, entrepreneur. Cette vidéo, c'est une vidéo qui va te permettre de pouvoir comprendre dans les profondeurs qu'est-ce que c'est que le programme coupé-décalé et comment devenir arrangeur. Voilà, donc le programme coupé-décalé est une succession de vidéos d'apprentissage qui permettent de pouvoir partir de l'installation jusqu'à la production de beats coupé-décalé professionnels. Ok, donc deuxième point. Pourquoi le programme coupé-décalé a été créé? Pour deux raisons. Première raison, c'est que depuis plusieurs mois, j'ai formé plusieurs jeunes beatmakers repartis dans le monde entier. Et là, je me suis rendu compte que non seulement j'avais pas du temps pour gérer tout le monde, il y avait des gens qui étaient en attente parce que j'étais obligé de les mettre en file d'attente de formation. Donc, grossièrement, je ne pouvais pas aider tout le monde au même moment. Ensuite, le deuxième critère, c'était que à des moments, tu vas te rendre compte que tu vas informer plus quelqu'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que il y a des choses que tu vas dire à un beatmaker pendant votre entretien. Pendant mes rendez-vous de formation avec mes jeunes beatmakers, il y avait des problèmes en fait au niveau où parfois je vais dire des choses à quelqu'un et l'autre personne, le jour où je vais m'entretenir avec lui, je ne vais pas lui dire ça. Grossièrement, je vais peut-être oublier. En fonction des conditions de travail, il va peut-être ne pas arriver à ce point-là rapidement durant le rendez-vous. Donc, grossièrement, ça avait vraiment des limites. Voilà, donc c'est partant de là que le programme coupé-décalé, il a été créé. Donc, j'ai réuni en fait les difficultés et les différents problèmes qui arrivent fréquemment et toujours chez les jeunes beatmakers. J'ai rencontré plein de jeunes beatmakers coupés décalés, que ce soit via email. J'ai reçu plein de messages me donnant les différentes difficultés auxquelles je devais trouver des solutions. Alors, quelles sont donc ces solutions? On entre donc dans le programme coupé décalé. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on va faire concrètement, quelles sont les solutions que j'ai apportées aux jeunes beatmakers qui veulent passer au niveau supérieur dans le montage de beats coupés décalés. Ça, c'est un PDF qui est offert avec la formation. Donc, grossièrement, tu as mes contacts là et tout. Ok, donc, contenu de la formation. Alors, donc ici, je vais te faire une présentation détaillée de la formation. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Le programme, il est reparti sur 16 jours. Donc, concernant le premier jour, débuter sur FL Studio. La première vidéo, c'est une vidéo de téléchargement de FL Studio sur mon lien privé. Donc, c'est une vidéo qui dure 3 minutes. Dans cette vidéo, je te montre toutes les configurations d'ouverture, comment installer FL Studio, toutes les configurations après ton installation. Donc, grossièrement, c'est tout ce que je t'ai dit dans la vidéo. Voilà, donc ensuite, la deuxième vidéo, c'est une vidéo de téléchargement et d'installation des packs mes Drumkit Pro avancé. Voilà, donc dans cette vidéo, je t'explique comment tu peux télécharger mes différents Drumkit Pro avancés qui sont offerts dans la formation, dans le programme. Cette vidéo dure 3 minutes 15 secondes. Voilà, ensuite, la troisième vidéo, c'est une vidéo de téléchargement et d'installation des plugins VST que je t'offre. Donc, cette vidéo dure 7 minutes. Dans cette vidéo, je vais te donner les liens dans lesquels tu vas télécharger les différents plugins que j'utilise plus souvent. C'est-à-dire, je vais t'offrir le plugin Hypersonic 2, je vais t'offrir le plugin Purity. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas télécharger et installer ces différents plugins. Ok, maintenant, le jour 2, je vais te faire une présentation détaillée de FL Studio. Donc, grossièrement, j'ai pris 42 minutes 6 secondes pour t'expliquer toutes les fonctions de base et options personnalisées avec lesquelles nous allons travailler. Donc, je te montre tous mes raccourcis qui me font gagner du temps lorsque je compose. Je te montre tous mes différents secrets de productivité. Donc, grossièrement, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. La deuxième vidéo du jour 2, je vais te faire une présentation des packs et des différents drum kits que j'utilise. Donc, après avoir téléchargé les drum kits et les plugins VST avancés que je te réserve. Donc, je vais te faire une présentation détaillée, c'est-à-dire comment utiliser ces différents packs et comment utiliser ces différents plugins. Voilà, donc j'ai dit ici, je te présente les différents plugins avec lesquels nous allons travailler et facilement arranger nos productions. Voilà. Donc, maintenant, le jour 3, c'est le jour de spécialisation, c'est-à-dire qu'ici, maintenant, on entre dans le thème du sujet. Alors là, je te fais une vidéo sur les batteries coupées-décalées. J'ai pris 20 minutes pour t'expliquer pratiquement tout ce que je sais sur comment fabriquer une batterie coupée-décalée, quels sont les différents types de batteries coupées-décalées, comment agencer ces différentes notes pour faire des batteries coupées-décalées, quelles sont les caisses qu'il faut utiliser. Donc, concernant, j'ai pris 20 minutes pour t'expliquer tout et pratiquement tout ce que je sais là-dessus. Ensuite, la deuxième vidéo, je te fais une présentation complète sur les percussions et tout ce qui se passe derrière la batterie. Donc, je te montre comment tu peux mettre tes tam-tams et tes différentes percussions sur tes batteries coupées-décalées. Donc, la troisième vidéo, c'est une vidéo d'introduction aux roulades et aux cascasses. Donc, c'est une vidéo de 30 minutes. J'ai pris 30 minutes pour t'expliquer en fait comment tu peux faire
commencer à structurer tes batteries, c'est-à-dire qu'ensemble, on monte déjà une légère structure de batterie. Voilà. Ok, donc le jour 4, c'est un jour d'introduction à la mélodie. Donc, dans ce jour, je fais une première vidéo d'1 h 10 qui va t'introduire à la mélodie typique coupée décalée. Donc, en fait, ici, dans cette vidéo, je te dévoile pratiquement tout ce que je sais sur comment composer des mélodies. Voilà, donc on va utiliser un maximum de guitares possibles. On va utiliser les guitares électriques, les guitares acoustiques, les guitares mute, les guitares basses, les guitares harmonica et plein d'autres guitares aussi. Et en même temps, nous allons commencer à configurer les différentes guitares progressivement. Voilà, donc ensuite, je te fais une vidéo de 52 minutes 23 secondes sur l'arrangement et les différents secrets de finition de beat. Donc ensemble, on va choisir le meilleur beat et ensuite, on va arranger ce beat-là. Je vais te montrer les secrets, comment faire pour habiller une instrumentale. Donc je vais te montrer tout ce qui va avec les arrangements et les différentes façons de structurer déjà une instrumentale. Voilà, donc ensuite, il y a une vidéo qui est consacrée aux roulades des danseurs. Dans cette vidéo, j'ai pris 18 minutes pour t'expliquer tous mes secrets et tout ce que je sais sur comment faire une roulade de danseur, c'est-à-dire les parties des danseurs où il y a les roulements de caisse. Donc, grossièrement, je t'explique de A à Z comment tu peux faire tes roulements de danseur. Le jour 5, on va faire une vidéo d'introduction au mix et au mastering. Tu vois que là, c'est une vidéo de 28 minutes 40 secondes où ensemble, on va mixer un des beats que nous aurons fait et on va le masteriser entièrement. Donc grossièrement, je vais te montrer comment tu peux mixer et masteriser dans un cas général une prod de façon basique et simple sur ton FL Studio. Ok, donc en ce qui concerne les bonus, tu vois donc en plus de toutes ces vidéos qui sont pratiquement offertes que tu as une assistance personnelle de mon staff disponible 7 jours sur 7. Pendant la journée, je réponds à toutes tes questions ou quelqu'un de mon staff va te répondre à toutes tes questions que tu vas poser sur tes difficultés que tu rencontres. Voilà. Ensuite, tu as accès à l'espace membre et au blog Jeune Beatmaker pour recevoir les astuces journalières pour t'améliorer encore plus. Donc, il y a plein de jeunes beatmakers qui vont te poster les différentes astuces et tout ce qu'ils ont découvert comme nouvelles stratégies d'arrangement. Ils vont poster dans l'espace membre et dans le blog, tu vas voir que tu vas facilement et rapidement te développer. Donc, ensuite, tu as accès au programme à vie. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que tu pourras avoir accès aux nouvelles vidéos que je vais mettre au fil des mois sur le programme. Donc, grossièrement, tu es gagnant à 100% dans ce programme. Ensuite, en pièce jointe, je te mets le projet FLP de notre travail. Tu dois refaire tout ce qu'on a fait dans notre programme accéléré et tu dois m'envoyer ça par email. Il y a beaucoup de jeunes beatmakers qui m'ont déjà envoyé leur projet FLP, leur projet qu'ils ont refait intégralement et je suis content. Donc, ça aussi, toi, tu vas le refaire. Ok, donc grossièrement, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais te faire une présentation de l'espace membre, c'est-à-dire que lorsque tu débloques les 13 vidéos du programme, comment se présente en fait ton espace membre? Ok, l'espace membre, ce n'est rien d'autre que un espace dans lequel tu as possibilité de pouvoir voir les vidéos que tu as débloquées. Ensuite, tu peux contacter directement l'équipe pour le favor. Tu peux voir les autres programmes accélérés que j'ai dans ma boutique. Et donc, grossièrement, lorsque tu as débloqué tes 13 autres vidéos, voici comment se présente ton espace membre. Tu vois que ici, tu as un fichier PDF qu'il faut lire. Ensuite, là, tu as les vidéos 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4. Ça, c'est en fait les premiers jours, c'est-à-dire débuter sur FL Studio. Maintenant, à partir du jour 3, c'est le jour de spécialisation, comme je t'ai dit, quand tu cliques sur le jour 3. Voilà, donc quand tu cliques sur le jour 3, il te montre en fait les 3 vidéos qui sont disponibles dans le jour 3. Tu peux les télécharger tout simplement. Si tu cliques là, il va tout simplement lancer le téléchargement. Voilà, tu vois, donc il te demande de télécharger. Voilà, donc c'est comme ça que tu vas faire pour télécharger chacune des différentes vidéos. Donc tu vois, voici le jour 4, voici le jour 5, voici les différents jours. Et dans chaque jour, il y a des vidéos qui ont été associées au jour. Donc grossièrement, c'est comme ça que se présente ton espace membre. Ok, donc je crois que là, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux participer au programme Coupé Décalé Pro, clique juste dans le lien dans la description pour télécharger la première vidéo du programme. On se retrouve de l'autre côté. Ciao!